file d'abord au Japon pour ne rien manquer des bons plans de David, notre reporter tout terrain. Resto, festival et autres événements, vous serez au cœur des tendances locales. Et puis on revient ensuite en France pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Nihonbashi, et je vous emmène au Nihonbashi Kidai Matsuri. Alors Nihonbashi, ça n'est pas le quartier le plus touristique de Tokyo, et tant mieux, et c'est un mélange entre un quartier d'affaires ultra moderne, là on est en plein milieu d'immenses buildings, et en même temps, vous voyez derrière moi, il y a un temple, et on trouve également ici beaucoup de boutiques et de restaurants traditionnels japonais, et ce petit festival a justement pour but de montrer au public plein de traditions très typiques de l'archipel nippon. Derrière moi, il y a une mini-scène sur laquelle ils font ce qu'ils appellent des street performances, mais en fait, c'est totalement art traditionnel japonais. On a eu notamment une géniale démonstration de Kendama, qui est l'équivalent japonais du bilboke, donc il s'agit de faire atterrir une boule sur un pic en bois. Le mec était ultra doué, il nous a fait un mélange entre du Kendama et du jonglage de cirque, c'était impressionnant. Là, je suis à côté de la scène principale sur laquelle a eu lieu plein de choses, notamment une sorte de conférence sur le kabuki, le théâtre traditionnel japonais, avec un acteur célèbre qui a fait une démonstration tout en donnant plein d'explications, c'était super intéressant. Et ensuite, on a eu le droit à un concert de koto fait par 12 jeunes filles avec de splendides tenues traditionnelles. Alors le koto, c'est un instrument à 17 cordes dont les origines remontent à plus de 1000 ans. C'était très beau et très mélodieux. On peut également s'initier gratuitement ici à pratiquer plusieurs sortes d'arts, notamment le hoso, l'art de faire de très jolis emballages papier pour les cadeaux. Et là, devant moi, on peut apprendre à tisser des cordes assez particulières que l'on appelle des shimezari. Vous voyez, elles sont faites à base de tiges de riz. Et c'est vraiment une occasion très rare de pouvoir participer à toutes les étapes de la fabrication et du tressage des cordes jusqu'à l'étape finale. Évidemment, il fallait que je mange quelque chose ici et j'ai trouvé des nouilles bien originales. Elles viennent de Nara. Ça s'appelle Askanabe Funyumen. Regardez, les nouilles sont très fines et surtout la soupe est très particulière. Elle est faite à base de miso, de lait et de sésame et c'est accompagné par de la viande de poulet émincée et des poireaux et un peu de layu, de l'huile épicée. C'est délicieux. Voilà, impeccable ce petit festival, pas trop de monde, c'est rare à Tokyo le week-end, et en plus, ambiance 100% traditionnelle, c'est tout ce qu'il me fallait. Allez, à plus, ja ne.